Cher vieux Georges, j'ai commencé cette mission d'espionnage à Bogota il y a 3 semaines. Elle est mauvaise, ta cocaïne. Et c'est l'une des plus redoutables de toute ma carrière d'officier à la DGSE, au service de la France. Moi aussi, je suis marié avec la patrie. À la DST, c'est une véritable passoire. Filature, manipulation diverses. Eh bien, on va le torpiller, son coup. Enlèvement. Varum. Meurtre. Cambriolage. Photos truquées. Pas trop le corps d'une mère de famille. La routine, quoi. C'est un métier où il faut oublier les bons sentiments. Tout se déroulait pour le mieux quand m'est tombée sur le dos une tuile imprévisible qui a pour nom Jean-Jacques Gragnanski. Mais je t'aime, Jean-Jacques Gragnanski. A priori, le gars est très malin, c'est un zéro absolu. Une pipe ne se choisit pas comme ça. Hein. Eh bien, mon vieux Georges, c'est fou. La vie. Ce type est une calamité top niveau qui met en péril l'honneur et la sécurité de la France. Hey, avec tout ça, on n'a pas mangé. C'est con, ça. Et qui risque même de faire tomber le président. Le talent ne vieillit pas. Tout ça pour une ridicule histoire de bonne femme. C'est bon, Henriette. Tu restes pas longtemps sur un tapis nu avec une femme sans qu'il ne se passe quelque chose. Il m'en a fait baver, au moins. Alors il me reste 2 solutions. Le faire disparaître ou le noyer. Je t'en dirai plus le 006 février. On le souffre. Après ce film, le pont de la rivière Kwai va te paraître un film intello.